Eliezer House. Et bonjour à tous, bienvenue après une petite pause, pour ma part, une petite pause Facebook et Facebook quoi, tu vois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure, on va continuer ce que Pharaon 10, nous propose. Alors, j'ai été me rechercher d'ailleurs une tasse de cacao. À mon aise. Je ne pouvais pas simplement attendre. J'ai décidé de vous suivre dans l'académie. J'avais à peine atteint l'entrée quand je vous ai vu aux mains de ces deux nagas. Veille à ce que ce prisonnier ne se réveille pas, Barjesh. Oui, maîtresse. Je les ai suivis d'aussi près que je l'ai osé. Moi, je suis un thug, moi, j'ose tout. Moi. Allez, 4,15 millions en DPS. Et bim. Il fallait que j'attaque les dirigeants Naga. La pierre des marais nous appartient désormais. Occupez-vous de notre hôte Atissa. Je vais emmener le prisonnier à nos esclaves. On l'a déglingué la tantôt. Atissa et la pierre des marées m'ont échappé. Au lieu de la poursuivre, je me suis lancé à votre rescousse. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'avais enfin trouvé l'endroit où tiennent leurs esclaves. Cependant, à l'entrée de la grotte, j'ai rencontré une vieille connaissance. Pharaon 10, mon sujet le plus loyal. Cela fait bien trop longtemps. Cette voix? Veuillez m'excuser, vous ne me reconnaissez sans doute pas. Ah. Et maintenant? Reine Ashara, vous, c'est vous qui êtes à la tête des Naga? Pauvre Pharaon 10, avez-vous oublié que j'ai écrasé votre petite rébellion il y a 10 000 ans? Vous n'avez rien pu faire pour m'arrêter. Regardez-vous, vous n'êtes plus que le spectre de vous-même. Maudit pour une éternité de non-mort et d'incompétence. C'est le moment de vous agenouiller devant moi, petit prince. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour cette malédiction. Pour libérer mon peuple de la malédiction, pour me racheter et protéger mon héritage. Le peuple d'Asuna a toujours été et sera toujours trop fier pour s'incliner devant vos alliés démoniaques sorcières. Nous ne plierons jamais devant vous. Je lui mets sa race quand même, hein. Vous allez connaître. J'ai besoin d'une cible. Et là-bas, Miss Tinguette. Allez, où? Ici. Je lui ai mis quand même sa race, quoi. 28 millions. Bim. Merde. J'appuie pas sur la bonne touche, là. One shot, two shot, three shot, four.
8. Ah d'accord, toi tu es vite. Ok, t'es un comme ça toi. Alors, que s'est-il Terminer la quête. Je crois que vous connaissez la suite. Alors, les Nagas sont en possession des éclats de la pierre des marées Herder, et ils ne tarderont pas à la traîner au fond de leur trou humide, où nous ne pourrons plus les récupérer. Il vaudrait mieux éliminer leur chef avant qu'ils ne parviennent à leur fin. Ce n'est que par votre billet que je... Tout à fait. Les Nagas ne tarderont pas à retourner la pierre des marées contre nous. Il faut faire vite. Il faut faire Vex. On va essayer de s'infiltrer en mode YOLO boy, en mode wesh, on touche à rien. Ah, par Jesh, Jesh, Atissa, tu vas crever. Ah, merde. Tu vas crever. Emparez-vous d'eux. Vos ennemis sont bien naïfs d'employer le meilleur de la nuit. Notre prince a besoin de nous. Le courroux d'Assara va vous submerger. Serviront à aiguiser mon trident. Boum, double immobilisation. On en parle pas. Spell steal. Ouf. Ouf. Oh non! La mort ne peut. Non. Non. Ah. Pourquoi? Suis-je crevé? Non! Je n'ai pas comprendu ce qu'il s'est passé! Ah! Je suis mort comme une pitoyable pute d'Angola. Oh putain, je dois tout recommencer, sa mère là! Là! Sa mère! Sa mère, en vérité. La vérité. Parjesh, rassemblez le reste de nos troupes. Je vais m'occuper de cette interruption mineure. Ce sera fait, maîtresse des marées. Hop, le spell stall. Comment de tout esquiver, quoi. Oh lord. Spell stall. Allez, la BL. Hop. Oh, 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 comment je t'ai eu.
T'as cru que j'étais... T'as cru que c'était Noël ou quoi? Meurs, Atissa! Oui! Nous avons vaincu Atissa! Yes! Ah! Ah! Alors, vous avez tué Atissa, Hirder. Aidez en cela pour mon peuple. Les miens se sont battus vaillamment pour nous. Hélas, le seigneur de guerre, Parzesh, a emprunté le portail pour filer avec la pierre des marées. Vous devez le poursuivre et récupérer le pilier de la création. Oui, je dois le poursuivre. Alors, courroux d'Aiguine ou barrage temporel qui m'enlève de toute façon obligation d'Aiguine. Alors, on va d'abord regarder. Plaisir de vous revoir. Obligation d'Aiguine, je crois que c'est celle-là. Et courroux d'Aiguine, ça doit être ici. Oui. Donc, c'est dans les prochains, puisque c'est le prochain qu'on va. On fait ça, et puis on fait ça, et puis seulement on fait les petits traits. Ici, les petits traits mineurs. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez, je vais vérifier quand même. Wow égale jeu, guide, classe, mage, arcane. Voilà. Alors. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Donc, on peut prendre le courroux d'Aiguine. Bon, ça nous enlève une obligation d'Aiguine. Mais on va prendre. Joli transmo. Ah, merci. Mais elle n'est pas complète là. Je dois repasser à Dalaran. Donc, je pense qu'on va enlever l'obligation d'Aiguine pour mettre un courroux d'Aiguine. Ça me semble le plus logique. Maintenant, à savoir quoi? Barrage torrentiel ou courroux d'Aiguine? Mais courroux d'Aiguine. C'est ce qu'on a dit, hein. Pourquoi viens-tu à mon aide avec tes hommes? Je croyais que tu me méprisais. Nous avons vu ce que vous avez fait. Tout elfe ayant le courage de se dresser contre la reine elle-même est digne d'être suivi. Les veilleurs de la nuit sont à nouveau à vos ordres, mon prince. Je suis ravi d'avoir regagné votre loyauté. Cela faisait longtemps, Talrys. Alors, Hirder, le seigneur de guerre, Parzesh, s'est engouffré dans le vortex magique un peu plus loin. Il a regagné une île au sud-est où la reine Asajara rassemble ses troupes, des troupes supplémentaires. Elles ne décolèrent pas depuis que nous avons osé lui résister. En ce moment même, elle invoque une abomination, le courroux d'Asajara, pour se venger en envoyant les îles brisées par le fond. Vous devez à tout prix terrasser cette chose avant que la reine ne la libère pour nous détruire tous autant que nous sommes. Alors là, c'est le donjon où on va récupérer la pierre des marais. Ne faites jamais confiance aveuglément et surtout pas à ceux qui vous dirigent. Voilà. Mais alors vous allez me dire, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous sommes à trois chapitres contre trois chapitres sur cinq. Nous sommes à trois chapitres sur cinq. Que se passe-t-il? Eh bien, écoutez, ces trois chapitres, les deux derniers chapitres, on les fera. Il y en a un qui est disponible ici. C'est la loi maritime. Il est Makrana et le destin des représailles de la reine. Et nous avons ici, au cœur de la reine de l'épave. Tout ça, nous ferons ça la prochaine fois. Maintenant, nous allons nous téléporter à Dalaran. Ah, non, à Dalaran. Où nous allons effectuer deux, trois petites choses. On va d'abord se téléporter dans notre fief, puisque c'est le chemin le plus simple pour aller jusqu'à Dalaran. Ran. Dalaran. Voilà. C'est le chemin le plus simple pour aller jusqu'à Dalaran. Mais à Dalaran. Oh, mais nous avons des quêtes à faire ici aussi. Que de joie, que de joie, que de joie. Nous allons prendre toutes les quêtes, bien sûr, et nous allons les faire toutes ensemble. Bien sûr, il y aura des quêtes qui seront plus longues et certains. Oui, là, je pense que c'était plus en haut, en fait. Et certains. Comment dire? Certaines.
choses se feront hors caméra, hein. Tout ce qui est donjon, tout ça, bon, ça se fera clairement hors caméra. Par contre, la double arme, la double, triple arme, bon, toutes les choses ainsi se feront avec la caméra. Alors, monsieur, je conduirai mes recherches avec ou sans le soutien de la Tyris Guard, mais il n'en demeure pas moins que mes moyens sont limités. En savoir plus sur votre arme est essentiel dans ce combat contre la Légion, c'est certain. Si vous voulez voir davantage de chercheurs assignés à cette tâche afin d'obtenir des résultats plus rapidement, il va falloir leur fournir les ressources nécessaires à la poursuite de leurs activités. Alors, Restez sur vos gardes. mais écoutez, on va le faire. Préférez le chemin le Voilà, ça c'est pour augmenter le nombre de ressources de puissance prodigieuse que nous obtenons via un item. Je vais faire le... Je prendrai quoi comme deck? Shaman mid-range. Alors, rat de bibliothèque, vous êtes adorable, tout simplement adorable. Je vais me mettre au travail sur le champ. Pensez à nous, si jamais la Tyris Guard a des ressources dont elle ne pourrait se passer. Si vous parvenez à occuper nos chercheurs en permanence, nous devrions pouvoir découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur votre arme en un rien de temps. Souvenez-vous des enseignements du passé. Je me souviens des enseignements du passé. J'ai dit que je me souviens. Alors, Vous cherchez quelque chose en attendant de la Tyris Guard, j'ai ici les objets qui vous seront fort utiles, Yarder. Orange et désespoir. Irder, votre intelligence et vos qualités de meneur nous inspirent le plus grand respect. La Tyris Guard est prête à vous fournir un ensemble d'armures complet pour vous aider à combattre la Légion Ardente. Seulement, continuez à étendre vos influences sur les îles brisées, et nous pourrions bien finir par l'emporter. Oui! Une capuche 810! Nous sommes de tout cœur avec vous. Faites un bon voyage. Oui! Oui. Tiens, capuche de la Tyris Guard, est-ce qu'elle est jolie? Ah, c'est pas mal. En vérité, c'est pas mal en fait. Attends, parce que je sais que j'ai tout un stuff ici. Bâton d'armes, donc attends. Hop. On va voir un petit peu ce que donne ce truc. C'est une transmo pas trop mal en vérité. En vérité, c'est une transmo pas trop mal, ouais. Franchement, ouais. Franchement. Franchement, ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais la sauver dans la nouvelle tenue. Je vais l'appeler. Non, attends, annuler. Ça, on va réinitialiser tout. Mais on va juste mettre tout cela parce que les armes, je suis pas spécialement fan de changer le truc des armes. Mais ça, on va mettre ça dans une nouvelle tenue qu'on va appeler Tyris Guard. Tyris Guard. Oui. Voilà. Tyris Guard. Et donc, Arcane. Attendez, parce que je pense que je peux. Hop. Et là, je peux pas sauver. Par contre, si je mets la feu et que je change ça, je peux le sauver. Pourquoi je peux pas le faire sur Arcane? Et si je mets ça, attendez, je sauve, puis que je mets ça. Mais non, ça ne changera rien. Ça changera rien, puisqu'au final. Ah bah voilà, sauver. Ah bah voilà. Merde! Non, je suis trop con! Oh merde! Le boulet! Ah putain! Mais putain, je suis con! Oh putain, je suis con! Fuck! Je suis vraiment trop débile. Là, pour le coup, je suis débile. Je suis même bien débile. Alors. Là, on en a fini avec ça. On va passer à Dalaran. Dalaran. On va passer à Dalaran parce que on a des petites choses à faire. Hop. Alors. Allez, charge, mon ami, charge. Il charge.
Les mages de cette ville la considèrent comme le prisme arcanique de ce monde. Ils sont si naïfs, mon enfant. Champion, vous devez vous présenter à la citadelle pour propre vite. J'ai fait une découverte et j'aimerais vous en faire part avant d'informer le conseil des six. Mais écoutez, oui, archimage, nous allons arriver. Mais nous devons d'abord rétablir la transmode, que j'ai comme un boulet. Putain, je suis vraiment trop con quand même. Oui, accepté. Voilà. Putain, je suis vraiment bête parfois. Je suis vraiment bête. Je suis vraiment bête. Pour faire un empressement. Alors, là, les transmots. Volo. Alors, les épaules. Je vais finir par la retrouver, tu sais. Volo. Ok. Alors, attends. On va mettre dans Arcane. On va rajouter ceci. Ceci. Et au final, ça va encore. Il y a la ceinture, mais alors source, je peux enlever. Je peux pas montrer ce qui n'a pas été obtenu. Bon, on va sauver ça pour le moment. Donc, on applique. Voilà, normalement. J'ai hâte d'entamer notre négociation. On applique. Voilà. Et là, il me reste. Alors, attendez. Parce que. Blizzard. Wow. Jeu. Transmo. Mage. Et c'est Neverwinter Regalia Color. Recolor. Alors, les épaules. Non, c'est la taille. Sur la basse tourbière. C'est ceinture du mystère de l'oracle. Mais c'est comme ça, je peux la linker en jeu. Alors, lien. In-game link. CTRL-C. Fermé. On la link en jeu. Ceinture d'oracle temporelle. Alors, hop. Bien entendu. Voilà. Et on la sauve. Comme ça, on a notre transmo au complet. Ah oui, bien sûr. La cape, je ne veux pas la voir. La cape, je ne veux pas la voir. Malheureusement, la cape, je la verrai toujours. Et si je mets ceci, voilà, et que je fais sauver, c'est parfait. Voilà, donc là, maintenant, on a du coup notre truc arcane. Et là, on ne verra pas la cape. Appliqué. Voilà. Voilà, et bien, chers amis, prenez soin de vous, faites bien les geeks, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Star Wars. De The Warcraft Adventure. N'oubliez pas de vérifier la description. Il y a les liens pour le site de mes fabuleux partenaires Belizaire House. Il y a aussi les liens pour le Facebook et le Twitter que vous pouvez vous abonner. Je fais des trucs drôles, j'écris des trucs marrants. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Salut à tous. Hey. Si. Tu pourrais t'abonner à cette chaîne. Tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer là. Là. En dessous. Oui, voilà, t'y es presque. Voilà. Clique et tu fais s'abonner. Voilà. Ça, c'est bien.